Bonjour, donc moi je m'appelle Christian Kamchwang, donc je suis le fondateur de Wiripo. Wiripo, c'est une plateforme de financement alternatif entre particuliers. C'est du peer-to-peer lending à travers un échange de collatéral. Le prêteur pourra emprunter, pourra prêter en toute sérénité et l'emprunteur pourra emprunter à moindre coût. Oui, alors peer-to-peer lending, derrière le peer-to-peer lending, c'est particulier à particulier. Nous sommes une plateforme d'intermédiation qui va mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs. Donc, si vous êtes prêteur, vous pouvez vous connecter. Vous allez avoir justement des annonces qui vont être listées sur la plateforme. Et ces annonces sont associées à une garantie, un collatéral. Ça peut être une montre, ça peut être un sac, ça peut être des chaussures, ça peut être une mobylette, un vélo, etc. Ou même de la nouvelle technologie. Vous êtes intéressé soit par un rendement supérieur, donc par rapport à votre épargne. Vous allez répondre justement à ces annonces et vous allez pouvoir recevoir une garantie au cas où justement l'emprunteur ne rembourse pas le prêt. Oui, du côté des emprunteurs, c'est vraiment simple. Vous avez un problème de trésorerie ponctuelle, vous avez des biens, hein, on a tous finalement un peu des biens qu'on n'utilise pas. Vous utilisez ces biens pour justement réduire votre coût de financement. Alors, au lieu d'avoir un prêt conso à 15%, vous pouvez aller sur Wiripo, associer votre demande de prêt avec justement un de ces objets et vous allez avoir des prêteurs de l'autre côté qui vont vous proposer du financement à moindre coût. Donc, la structure existe depuis 6-7 mois, mais nous allons sortir justement la plateforme d'ici un mois, hein, dès la fin octobre. Et l'idée, justement, c'est de permettre de donner une alternative. Et la société civile pourra justement, entre particuliers, trouver des moyens de se financer à très bas coût, mais tout de même sécurisé. Donc, la révolte, elle est vraiment simple. Elle vient aussi un peu de mon parcours. Moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à la City. Et le repo, en fait, c'est une transaction très populaire, hein, en finance d'investissement qui permet justement de réduire les coûts de financement. Et notre idée, en fait, après 2008 et la crise qui a impacté finalement la société civile aussi, hein, c'était de justement mettre ces produits d'investissement à la portée des particuliers, de leur permettre aussi d'avoir accès à ces alternatives de financement. Voilà. Alors, notre ambition est de devenir le premier moyen de financement court terme. Aujourd'hui, on demande beaucoup de flexibilité aux particuliers. Nous, ce qu'on aimerait, c'est utiliser la surconsommation pour enrayer le surendettement. Donc, d'ici 5 ans, on aimerait être la première plateforme de financement court terme. On est vraiment déterminés, c'est-à-dire qu'on est une équipe, on a envie de partager une expertise. Et donc l'idée, c'est vrai que c'est collaboratif, hein. Il n'y a pas d'institution financière entre les deux, le prêteur et l'emprunteur. Il y a une responsabilisation de la société civile. On peut se financer autrement et on peut vivre autrement. Voilà.